Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Ces textes qui viennent nourrir notre cœur, notre relation au Seigneur, ce soir, dans ce dimanche de l'Église, nous invitent à entendre que le Seigneur vient nous visiter. Il vient visiter Abraham et Sarah et il viendra le Seigneur Jésus dans la maison de Marthe et de Marie. Puisque nous-mêmes, nous sommes les invités du Seigneur, je vous invite justement à offrir votre cœur, votre disponibilité, pour que nous soyons tous disponibles à 100% pour lui pendant cette heure qu'il nous donne. Nous reconnaissons humblement devant les autres et devant lui, le Seigneur, que nous sommes pécheurs, mais qu'il nous pardonne. Je confesse à Dieu Tout-Puissant oui, j'ai vraiment péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Prions ensemble le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Nous te le demandons par le Christ Jésus, qui est ton Fils et notre Seigneur, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les trois visiteurs d'Abraham. En ces jours-là, au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit : Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. Ils répondirent : Fais comme tu l'as dit. Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit : Prends vite trois grandes mesures de fleurs de farine, pétris la pâte et fais des galettes. Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté,
et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre. Et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qui l'a sanctifié. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. Parole du Seigneur. Hallelujah.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien ?» Que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous connaissons bien cet évangile de Marthe et de Marie, et il y a un risque que beaucoup d'entre nous, nous pouvons courir, c'est d'opposer ces deux femmes, ces deux sœurs, l'une représentant symboliquement l'activité et l'autre représentant la contemplation, et de définir ainsi des rôles un peu faciles entre ceux qui travaillent et ceux qui contemplent. Il me semble que pour éviter cette simplification qui pourrait faire en sorte qu'on se contente simplement d'une partie de ce qui fait une vraie vie, eh bien, il nous faut essayer de comprendre le lien qui pourrait unir cette lecture de Marthe et Marie et la rencontre d'Abraham, de Sarah avec les trois visiteurs. Vous avez entendu et vous avez probablement remarqué que cette rencontre d'Abraham à son chêne de Mambré avec Sarah des trois visiteurs crée un peu un malaise. Comme il commence par dire « Monseigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux » et il continue en disant « Que l'on vous apporte de l'eau ». Il continue à le vouvoyer ensuite et il termine la parole de Dieu en disant « Le voyageur reprit, je reviendrai chez toi au temps fixé. » Et qu'entre ce « tu » et ce « vous », en fait, il n'y a pas de malaise, il y a l'espace d'un mystère. Est-ce une personne ou est-ce que ce sont trois personnes qui sont venues ? Et cette lecture chrétienne que je fais est comme vécue et lue dans la tradition de l'Église souvent comme une possible préfiguration de ce grand mystère qui nous sera dévoilé qu'à la fin des temps, ce mystère d'un Dieu trine et d'un Dieu un. D'un Dieu tellement un qu'il peut être trois personnes et tellement communicant entre ces trois personnes qu'il est un Dieu unique. Et donc, il y a quelque part dans cette rencontre, dans cette visite, dans cette sorte d'annonciation, il y a quelque chose du mystère de Dieu qui est déjà en jeu. C'est la première fois, et vous savez qu'Abraham est la première personne à qui Dieu va dévoiler, ça veut dire enlever le voile de son mystère, de sa personne. Et donc il y a
dans cette révélation quelque chose de Dieu qui se donne dans son mystère à Abraham et donc à sa descendance, jusqu'à nous. Et ce mystère, c'est que Dieu vient nous visiter. Dieu vient dans notre tente. Ou si vous le voulez, puisqu'on peut faire le jeu de mots qui est à la fois français et spirituel, quand on est dans l'attente, L'apostrophe attente, on peut penser, on a le droit de croire que Dieu vient jusqu'à nous dans l'attente de notre rencontre. Et le tabernacle est la grande tente de Dieu au milieu de nous. Et donc, il y a une philoxénie, c'est-à-dire philos, l'ami, xénos, l'étranger. Il y a une philoxénie de la part d'Abraham. Le mot philoxénie étant, son opposé étant la xénophobie, qui est le refus de l'étranger, la peur de l'étranger. Et cette philoxénie, au tout début de la révélation avec Abraham, nous allons la retrouver dans des passages du Nouveau Testament, à plusieurs endroits, où Dieu vient planter sa tente, élargir l'espace de notre tente, élargir l'espace de notre attente. Et je vous propose d'entendre ce récit de Marthe et Marie comme un lieu, un moment, une pédagogie de la part de Jésus pour qu'il se révèle à nous, pas simplement à Marthe et Marie, mais aussi à nous. D'ailleurs, l'évangéliste saint Luc va employer trois fois le terme de Seigneur et jamais celui de Jésus pour parler dans cette scène. Parce que quand on appelle Jésus Seigneur, c'est que on ne peut pas réduire la personne de Jésus à l'humanité qu'on voit. Et que ce mot de Kyrie, de Seigneur, sera celui qui finalement identifiera Jésus dans la gloire de sa résurrection, c'est-à-dire de sa divinité. Et Marthe et Marie sont deux femmes, deux sœurs, qui ont d'ailleurs un frère dont on ne parle pas aujourd'hui, qui s'appelle Lazare. Et ces deux femmes vont faire le meilleur, selon elles, pour accueillir Jésus. Car imaginons que Marie aurait été seule, comment Jésus aurait mangé, bu ou s'être fait laver les pieds? Et si Marthe avait été seule, comment Jésus aurait pu enseigner Marthe, qui était dans l'hyperactivité? Et donc, les deux ont besoin l'une de l'autre, les deux ont besoin du Seigneur, mais il y en a une qui va faire tellement le service du Seigneur, qu'en fait, elle va rater la moitié ou les trois quarts de l'enseignement du Seigneur et vivre sa diaconie, c'est-à-dire son service, comme une comparaison de jalouse et de jalousie par rapport à sa sœur, qui, elle, peut en bénéficier et d'ailleurs ne lève pas le petit doigt. Et donc, il y a une façon de servir même le Seigneur qui peut tourner sur nous-mêmes. Ça ne te gêne pas que ma sœur ne fasse rien pour toi? Et elle est complètement décentrée de ce que Jésus, de qui est Jésus, de ce que Jésus est en train de faire et de dire. Elle est centrée sur son service et elle se compare, comme nous savons tous un peu bien le faire lorsqu'il s'agit de nos propres vies. Et par rapport à cet activisme, qu'on pourrait appeler au moins cet activisme, cette grande activité de Marthe, Jésus va lui dire à Marthe, en l'appelant deux fois par son prénom, ce que Jésus fait très rarement dans l'Évangile. Je crois qu'il le fait aussi pour Pierre. C'est juste des personnes extraordinaires qui ont droit à ça. Marthe, Marthe. Il lui dit, mais tu t'affoles, tu fais plein de choses, mais une seule chose est importante. Ou plutôt, Marie a choisi la meilleure part. Et même dans le grec, il me semble que c'est « il a choisi le meilleur plat ». Puisque les plats, Marthe, ça te connaît, tu es en plein dedans dans la cuisine. Jésus a pris le meilleur plat.
Quelle est donc cette différence et quel est donc ce meilleur plat que d'abord que Jésus, que Marie a choisi? C'est évidemment le plat, la nourriture de la parole. Sans la parole de Dieu, on a toutes les chances de tomber dans l'activisme, même pour le Seigneur. Et pour ne pas tomber dans ce risque auto-centré, dirait notre pape, centré sur notre ego, sur la beauté, la grandeur de ce que nous faisons en servant le Seigneur, Marie nous apprend, le Seigneur nous apprend qu'il faut passer du temps au pied du Seigneur. Il faut passer du temps dans la parole de Dieu. Sinon, on se sert au lieu de servir. Et probablement qu'en plus, on se sert de la parole de Dieu pour justifier des choses que l'on fait ou que d'autres ne font pas. Et du coup, on pourrait évaluer ce double personnage, ces deux postures de Marthe et de Marie, comme deux étapes spirituelles pour nous, pour nos vies à nous. Marthe représente l'état de la vie spirituelle qui est encore beaucoup dans l'activité, dans la dépense pour Jésus. En fait, Marthe, elle fait les choses pour Jésus. Et donc, sans Jésus, ou à l'extérieur de Jésus. Tandis que Marie, elle a choisi de faire les choses avec Jésus. Et c'est la deuxième étape spirituelle. En fait, dans notre propre chemin spirituel, il faut toujours passer de l'étape « je fais des choses pour Jésus » à « je choisis de faire des choses avec Jésus ». Car lorsque nous faisons les choses pour Jésus, il y a toujours le risque d'un retour sur investissement qui s'appelle la gloriole personnelle. Tandis que quand on fait les choses avec Jésus, c'est Jésus qui est notre force, c'est Jésus qui est notre joie, c'est Jésus qui est notre rocher, c'est Jésus qui est notre énergie. Eh bien, en ce temps de vacances, demandons au Seigneur si nous sommes plutôt des Marthe, de devenir des Marie, si nous sommes plutôt des Marie, de devenir des Marthe, mais dans tous les cas, de savoir que ces deux sœurs appartiennent à la même famille, la famille du Christ. Amen. Credo in unum Deum. Pater omnipotentem, factorem celi et terrae, visibili uno omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum. Et expo-
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel, que ces dons offerts par chacun pour te rendre gloire servent au salut de tous. Nous te le demandons par le Christ Jésus, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te saisis de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut, par le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Vraiment saint, Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré,
il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande, vivante et sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Cette prière que nous allons redire, nous ne la disons pas pour Dieu, nous la disons avec le Seigneur qui nous l'a appris, lorsqu'ensemble nous redisons « Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous de tout péché. Rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos peurs et nos troubles et nos péchés, mais contemple la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons un geste de paix. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Recueillons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu inities ainsi au sacrement de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Au-delà de notre assemblée, je voulais aussi saluer les téléspectateurs de KTO et puis les auditeurs de Radio Notre-Dame qui suivent le dimanche soir souvent cette messe ici. Que le Seigneur nous garde les uns les autres dans la communion de l'unique Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina, Mater Mei.